Aloha, belle âme. Aloha, bel être stellaire. Joie de m'asseoir avec vous aujourd'hui, joie de me relier à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie de prendre un moment pour qu'on discute ensemble, pour te partager mes élans créatifs du moment. Il y en a beaucoup. Pour te répondre peut-être à 2-3 questions que je sens l'envie de répondre. Et puis en fonction du temps, on verra, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie actuellement. Je vais bientôt m'envoler pour une nouvelle destination, je t'en parle bientôt. Et j'ai envie de te partager aussi comment j'ai été guidée à venir aux Fidji et ce qui s'est passé parce que il y en a de la magie. Il y en a de la magie et moi j'aime m'en émerveiller. Je pourrais remplir des livres et des livres et des encyclopédies à parler de la beauté de ce qui me guide, hein, m'inspire. Ouais. Et même si ce sont des choses que je vis régulièrement, ça continue à m'émerveiller et c'est important. Puisque pour moi, l'énergie de l'émerveillement et la créativité, ça va de pair et ce sont des choses très très importantes pour moi. Si tu as l'impression que tu n'es pas créatif ou créative, je t'invite vraiment à te donner de l'espace dans ta vie et à laisser la créativité émerger en toi. Puisque nous sommes des êtres qui sommes incarnés pour créer, pour manifester. Nous sommes des créateurs. Nous sommes le créateur, nous sommes divins. Ce qui se passe sur la planète Terre actuellement, c'est que la plupart des humains manifestent leur réalité, leurs expériences de vie inconsciemment. Et ça, souvent, c'est pas forcément très agréable. Par contre, lorsqu'on devient un créateur conscient, c'est très très jouissif pour notre être, puisque nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour créer dans la matière, dans ce monde des formes. Et donc, quand on le fait consciemment et avec amour, c'est très jouissif et stimulant pour nos êtres. Pour moi, la créativité, ça se vit en 2 étapes et c'est vraiment la symbiose parfaite de nos polarités féminines, de notre énergie féminine et de notre énergie masculine. Moi, je le vis d'abord comme l'étape où je dois remplir ma coupe, où je m'autorise à remplir ma coupe. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup par l'émerveillement de la nature, la contemplation de la nature, passer du temps en immersion dans la nature. Ça se fait par mes espaces de méditation, où je vais communier avec le divin dans l'espace de mon propre cœur et sortir tout cet amour et me dissoudre dans l'amour divin. Et quand je suis remplie de cet amour, naturellement, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le faire circuler. Quand je suis en joie, j'ai envie de faire circuler ma joie. Quand je me sens emplie de beauté, j'ai envie de faire circuler cette beauté-là. Donc ça, c'est la partie du féminin, recevoir, être dans un mode de réceptivité profonde. Et puis, une fois que notre coupe est pleine, c'est le masculin qui s'enclenche pour créer, manifester, mettre en action. Mettre en action l'amour, mettre en marche l'amour. Donc, si tu as l'impression que tu n'es pas créatif, c'est peut-être parce que tu ne te donnes pas de temps pour ces 2 aspects. L'aspect d'être en réceptivité, plus passif, plus tranquille, plus apaisé, t'offrir des temps d'oisiveté, des temps de contemplation, et puis alors que l'action enclenchée, que quand ton masculin s'enclenche, ce soit une action inspirée, et là l'action elle est impactante, parce qu'elle est inspirée profondément par l'amour, et non par l'ego qui cherche à faire, le mental qui cherche à faire, ok? Donc on n'en parle pas assez, selon moi, de la créativité et de son importance, mais vraiment tout le processus alchimique de transformer une idée, une inspiration, une intuition en réalité concrète, je trouve que c'est un des processus les plus beaux
qui nous rappelle ô combien nous sommes des créateurs et ô combien nous sommes la source. Donc, je t'invite vraiment à laisser de la place dans ta vie pour que cette énergie émane de toi. Autorise-toi à recevoir pour pouvoir t'autoriser et avoir un élan inspiré à transmettre. Et je trouve que ça crée des cycles vertueux et prospères d'abondance illimitée pour tous. Puisque de mon inspiration, de mon amour, de ma coupe pleine, naturellement j'ai envie de transmettre, ma générosité naturelle a envie de s'offrir au monde par ma créativité inspirée, par mon action inspirée. La personne, l'être en face qui reçoit ma création ou mon énergie va en être également à son tour inspirée, va remplir sa coupe et de sa coupe elle aura également envie de transmettre. Et moi je vois ça vraiment comme des cycles très vertueux d'abondance et d'amour illimité. Et c'est pour ça que je dis souvent, pour moi c'est important de mettre mon amour en action, de faire circuler mon amour. C'est pour ça que j'aime tourner ces vidéos, c'est pour ça que j'aime écrire, c'est pour ça que j'aime créer tout ce que je crée. Et aujourd'hui, ma créativité, elle s'exprime d'une multitude de façons. Que ce soit les transmissions que je partage, tu en as d'ailleurs disponibles sur mon site, mais également la nouvelle série de méditations d'activation que je suis en train de créer, tous les cursus et toutes les formations que tu peux trouver en dehors de YouTube. Pour moi, cette mise en circulation de l'amour et de la sagesse, elle est extrêmement jouissive et importante pour que je me sente vibrante. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, dans mes élans créatifs du moment, comme je viens de te le dire, je suis en train de créer une série de méditations qui sont des méditations activation de déprogrammation du subconscient. La première est en ligne, comme je suis une femme, comme j'adore être femme, comme j'adore travailler avec l'énergie du Christ féminin divin. Ma première méditation est conçue pour les femmes, designée pour éveiller la déesse en chaque femme et incarner pleinement l'énergie du Christ féminin divin et laisser rayonner toute notre splendeur de femme. Quelle joie d'avoir canalisé ces codes pour nous. Mais sache qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Je suis en préparation d'une méditation pour l'abondance et la conscience de prospérité, et selon mes élans créatifs, il y en aura plein d'autres. Les thématiques de déprogrammation du subconscient sont des thématiques qui m'enthousiasment tellement, 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 puisque moi je suis ici pour partager les valeurs de la liberté. Et pour moi, on n'est que pleinement libre lorsqu'on est pleinement, on s'est pleinement délesté de nos conditionnements, de nos programmations, de tout ce qui nous empêche de révéler notre nature véritable. Ok ? Donc, avant de commander ou d'acheter une des méditations, je t'invite bien à lire tout le descriptif puisque je t'explique un petit peu comment les utiliser. Mais pour te laisser ici quelques phrases succinctes, déprogrammer notre subconscient est extrêmement important puisque le subconscient est très relié à la mémoire du corps, à la mémoire cellulaire, à tout ce qui nous semble très familier dans notre façon d'être, dans les choix que nous prenons, dans nos décisions. Néanmoins, beaucoup d'humains ne s'aperçoivent pas que ils sont souvent conditionnés à justement entretenir certaines façons de penser, certaines façons d'agir. C'est très subtil, c'est très sournois parce que ça semble être notre nature. Mais moi, je suis comme ça, certains pourront dire. Mais moi, je suis libre. Et en fait, ce sont des conditionnements tellement profonds, généralement reçus à l'enfance, dans les 7 premières années de nos vies, ou alors par des expériences de vie très traumatiques. Mais aussi, lorsque nous nous incarnons, nous revêtons un costume d'humain et donc nous
intégrons une certaine programmation pour pouvoir avoir les codes de comment vivre sur cette planète Terre. Il y a également des programmes qui viennent même de vie passée. Donc se délester de tous ces programmes très très profonds qui nous semblent pourtant être notre nature véritable, c'est extrêmement important puisque c'est là où il y a souvent confusion. Mais c'est ma nature véritable, mais c'est comme ça que je suis. Mais habitude, ce qui nous semble naturel et habituel, n'est pas égal à notre nature originelle. Et c'est pour ça que j'aime dire que nous sommes que libres quand notre conscience s'est déployée suffisamment pour qu'on s'aperçoive, finalement, cette façon de penser, cette façon d'agir, d'où est-ce que ça me vient ? Et qu'on s'aperçoit, mais en fait, non, c'est pas du tout ma nature véritable. Et là, il y a toute une série de plein de techniques qui nous permettent de libérer le subconscient de tous ces programmes-là. Il y a notamment, moi, ce que je partage, ce sont les séances d'hypnose de guérison quantique, mais il y a également des méditations très puissantes, et donc c'est pourquoi je suis en joie de créer ces activations méditation pour t'aider à libérer tout ça, et parce que tout simplement ça me passionne. Ça me passionne puisque j'aspire à la liberté et comme tel, j'aspire à que le monde soit libre. Ok ? Comment utiliser ces méditations ? Elles sont particulièrement propices à être écoutées le soir, lorsque tu es en train de t'endormir, ou le matin, quand tu te réveilles. Pourquoi ? Parce que ton cerveau entre en ondes θ. Ce sont des ondes vibratoires que j'utilise également pendant les sessions d'hypnose. Et dans ces ondes, lorsque tu es dans cet état θ, ces ondes cérébrales de ton cerveau se transforment, tu es beaucoup plus réceptif aux informations vibratoires et à l'intégration de l'énergie disponible. Donc si tu réalises les méditations le soir, il te suffit tout simplement de les écouter et de te laisser recevoir les fréquences. Ces méditations ont une partie en langage humain et une partie en langage stellaire. La partie en langage humain peut ressembler à des affirmations positives. Or, j'aimerais faire ici une grande distinction et souligner que ce ne sont pas des affirmations positives. Chaque mot, chaque phrase a été canalisée avec précision. Chaque phrase, chaque mot est un portail d'accès à ta conscience lumière. Chaque phrase est un portail d'accès à ta vérité d'éternité. Chaque phrase est un portail d'accès à l'amour source en toi. Chaque phrase est un portail d'accès à ta véritable nature. C'est pourquoi peut-être qu'au début, lorsque tu les entendras, ça ne te semblera pas naturel, ça te semblera étrange. Oui, pourquoi ? Parce que nous avons reçu des conditionnements de masse pour penser d'une certaines façons, pour nous programmer à être autre chose que l'humain pleinement épanoui dans son plein potentiel. Donc au début, ça peut sembler étrange, ça peut même sembler bizarre, mais je t'invite à respirer, à persister, à pratiquer les méditations régulièrement et également à déployer tes propres cérémonies, puisque au-delà de pouvoir les écouter le matin et le soir, ces méditations sont également la base d'une pratique créative. Comme je te l'ai dit, la créativité, c'est extrêmement important pour moi et j'ai envie de t'inviter à connecter avec cette énergie. C'est-à-dire que tu peux également créer tes cérémonies, tes rituels sacrés et d'utiliser cet enregistrement. Quelques idées, ce sera par exemple aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, à tout moment où tu sens l'élan d'aller dans la nature, de créer un espace de rituel ou de cérémonie, et de laisser ces proclamations te permettre de laisser de ton corps émaner intuitivement ce dont il a besoin pour intégrer l'énergie. C'est-à-dire que tu peux proclamer avec moi et puis peut-être danser. Ce sera très, très, très efficace. Mes deux techniques qui sont extrêmement efficaces, ce sera d'utiliser des tapotements, comme nous faisons dans certaines techniques d'EFT, puisque lorsque tu viens tapoter ton corps comme ça en douceur, tout en proclamant les phrases
que je t'invite à proclamer dans l'enregistrement. Ainsi, tu participes activement à l'encodage ou alors à développer un rituel sacré de massage, puisque tout ce qui vient vraiment toucher le corps avec intention ou même le bouger, ça va permettre d'encoder, et que tu participes activement par ton action également à l'encodage. C'est pourquoi je t'invite à te laisser guider comme toujours et de utiliser ces enregistrements pour intuitivement créer tes rituels et tes cérémonies. Voilà, donc n'hésite pas à aller regarder sur mon site si ça t'intéresse. Autres élans créatifs du moment, des nouveaux cursus commencent bientôt et j'ai envie vraiment ici de souligner que les belles âmes qui veulent s'inscrire, c'est le moment de le faire. N'attendez jamais une prochaine édition d'un cursus parce que mon activité est un mouvement perpétuel et je ne sais jamais s'il va y en avoir d'autres. Donc, il y a le cursus « Les chants et les danses de l'eau » qui commence le 21 décembre, date du solstice. Pour 2 mois, nous allons nous retrouver pour révéler nos chants et danses médecine. C'est un cursus introductoire. Un espace vibratoire est ouvert pendant 2 mois pour que tu puisses accéder aux universités stellaires et être entouré par les équipes de lumière qui travaillent avec moi pendant ces cursus. Il y a un deuxième cursus qui commence en janvier, le cursus Starseed de révélation stellaire pour les êtres stellaires qui ont envie d'aller connecter avec l'inscription sacrée qu'elles portent dans leur cœur, qu'ils portent dans leur cœur et avec leur divine mission pour pouvoir émaner sur la Terre les fréquences authentiques qu'ils sont venus émaner. Également cursus de 2 mois. Un accès à une tribu qui navigue le cursus ensemble est ouvert sur WhatsApp pour que vous puissiez partager, vous retrouver en famille stellaire. Et puis, comme dit, ce sas vibratoire est là pendant 2 mois. Donc, ça va au-delà des 8 rendez-vous. Mais je t'invite à t'inscrire si tu sens l'élan parce que c'est le beau moment de le faire. Et à partir du moment où tu t'inscris, certains ajustements vibratoires commencent. Et au moment du top départ, là, encore plus puissamment, nous avons cette université stellaire qui est ouverte pour nous, que nous pouvons accéder par nos méditations et pendant les moments où nous nous retrouvons pour les séances en live ensemble. Ok ? Je ne peux pas tout dire dans ces vidéos, donc je t'invite toujours à connecter avec l'espace sacré de ton cœur pour sentir si tu dois être là. J'ai envie de souligner également que je vais proposer une dernière date de formation de Reiki traditionnel pour les personnes qui sont déjà initiées au niveau 1 et 2. Je vais proposer une dernière date de formation Reiki de niveau 3. Ce sera ma dernière formation de Reiki traditionnel. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je vais arrêter d'enseigner le Reiki traditionnel, quels sont mes nouveaux élans créatifs pour l'année 2023 avec les nouvelles formations professionnelles qui vont démarrer pour les artisans de lumière, pour les personnes qui aspirent à travailler en tant que light workers, travailleurs de lumière, ensemenceurs de lumière, pouvoir faire des soins de guérison, transmettre des soins. Et également pour les âmes, pour les êtres qui résonnent plus avec la voix chamanique, donc il y aura la formation Galactic Shaman et la formation Blue Light Angels, de formation professionnelle pour pouvoir vraiment travailler professionnellement. Sache que Starseed et le cursus Les chants et danses de l'eau sont des cursus introductoires et des prérequis pour pouvoir accéder aux formations professionnelles, puisque comme son nom l'indique, les formations professionnelles doivent avoir une précision énergétique vraiment millimétré, et il est important que vous soyez déjà familiarisé avec certaines fréquences pour pouvoir avoir accès à ces formations qui sont beaucoup plus intenses et exigeantes. C'est pourquoi il y a ces prérequis. Voilà, tout ça pour 2023, des nouvelles formations. Donc, dernière formation Reiki le 29 et 30 décembre. Et si tu souhaites avoir l'opportunité de terminer ton
cycle de formation Reiki avec moi, c'est la dernière opportunité et j'espère te retrouver en espace sacré de formation. J'ai joie de vous retrouver, j'aime beaucoup tourner ces vidéos, ces capsules ensemble, mais se retrouver en direct ensemble, en école des mystères, en université stellaire, pour moi c'est extrêmement important et ça me comble d'amour. Comme dit, ce sont des cercles vertueux d'amour, d'abondance et j'ai hâte de t'y retrouver, belle âme, si tu en sens la résonance. Est-ce que au sujet de ces élans créatifs, c'est tout ce que je voulais te dire? J'ai encore une révélation, la dernière, c'est la création des sessions Blue Bloom Tribe. Qu'est-ce que c'est la Blue Bloom Tribe? J'avais envie d'ouvrir un espace où nous puissions nous retrouver pour partager ensemble, pour grandir ensemble, pour se poser des bonnes questions, pour répondre à vos questions. Avant, je faisais ça avant mes cours de yoga. C'est-à-dire que lorsque nous commencions un cours de yoga, j'invitais les âmes présentes à déposer leurs élans, à déposer leurs ressentis. Et puis, souvent, la session de yoga se transformait en un partage où je répondais à certaines questions, à certains doutes et je laissais passer certaines guidances, certaines intuitions, certains enseignements. Et j'ai senti que c'était important de créer un espace dédié pour cela. Alors, dans les lignées ancestrales indiennes, on pourrait appeler ça des satsangs. Sat signifie vérité et sang ensemble. Donc, ça pourrait se traduire par être en compagnie de la vérité. Moi, je préfère dire se souvenir de la vérité ensemble. Donc, ces espaces vont être des espaces dédiés à se souvenir de la vérité ensemble, à se retrouver en tribu consciente, parce que je connais la puissance de ces rassemblements. Lorsque nous nous rassemblons avec une intention d'amour, une intention de pureté, une intention d'élévation, ce qui se vit entre nous est très, très, très fort. Et dans ces moments-là, la symbiose de groupe et la magie, elle est tellement belle que souvent, lorsque je réponds à la question d'une personne, eh bien, ça répond en résonance au questionnement de tout le groupe. Donc, je répondrai à certaines de vos questions. Il y aura des espaces de partage, des espaces d'accueil, tout simplement fédérer également des retrouvailles de familles d'âmes sur la Terre. Pour moi, cette notion de tribu et de communauté consciente, elle est extrêmement importante et c'est pour ça que je l'ai appelée Blue Bloom Tribe. On pourrait aussi appeler ces sessions des coachings de groupe. Moi, je ne raisonne pas trop avec le terme coaching. C'est pour ça que je préfère dire que ce sont des sessions Blue Bloom Tribe, de maintenir mon unicité et de ne pas m'enfermer dans une case. Blue, pourquoi? Parce que je déverse des fréquences Blue Love, ces fréquences alchimiques liées à la sagesse cosmique et océanique. Mais également, pour moi, le terme « blue », quand tu prends l'initiale de chaque mot, « blue », « beauty », « beauté », « love », « amour », « unity », « unité », et le « e » pourrait être « embodied »,« embodiment ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « incarné », « incarnation ». Et pour moi, nous sommes là pour incarner la beauté, l'amour et l'unité, et de nous laisser inspirer par la beauté, l'amour et l'unité, et vraiment d'être une incarnation de beauté, d'amour et d'unité. Et pour moi, c'est important que la connaissance fasse chair, comme j'aime dire. C'est pourquoi Blue Bloom Tribe m'est venue comme inspiration, et Bloom signifie floraison, et pour moi, c'est l'épanouissement de notre cœur, l'épanouissement, la floraison de notre beauté, de notre amour et de notre conscience d'unité sur la Terre. Donc, on va se retrouver une fois par mois, le premier dimanche de tous les mois, à 20h en heure de France. Ces sessions dureront à peu près 2 heures. J'ai hâte de t'y retrouver, belle âme. Sache que c'est ouvert à tous. Ce n'est pas comme les cursus où c'est 2 mois ensemble. Là, tu viens quand tu veux et quand tu peux. Néanmoins, bien sûr que je t'encourage à être là régulièrement puisque c'est ce qui va permettre de créer vraiment cette sensation de tribu et de communauté. J'ai tellement hâte de ces moments ensemble. Donc voilà, les sessions Blue Bloom Tribe commencent en janvier. La première sera le 1er janvier pour bien commencer l'année. Donc n'hésite pas, si tu souhaites t'inscrire, je te laisse toutes les informations dans la barre de description.
Voilà, ça c'était un petit peu pour te partager tous mes élans créatifs. Au-delà de ça, comme tu as pu t'apercevoir un petit peu dans cette chaîne YouTube actuellement, je te partage vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois, je partage des intuitions, des guidances, des enseignements sacrés. Parfois, je te partage un petit peu de mes voyages, de mon quotidien. Parfois, je te partage quelques recettes. Parfois, je te partage des choses plus pratiques de mon quotidien, des produits que j'aime utiliser. Pourquoi toute cette variété sur ma chaîne YouTube? Déjà parce que je suis un être multifacété, comme chacun d'entre nous sur la Terre, nous avons une multitude de facettes et que toutes ces facettes sont importantes, mais également parce que pour moi, c'est important de partager ce que je suis de façon authentique et parce qu'également, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de séparé du quotidien. Nous sommes l'esprit avec un grand E, l'esprit qui s'est densifié encore. Et pour moi, la spiritualité n'est pas quelque chose que je vis de séparé. C'est quelque chose qui est enraciné dans mon quotidien. Pour moi, c'est autant spirituel que de faire à manger en conscience, que d'acheter un produit en conscience pour soutenir un artisan et pour vivre en harmonie avec la terre et la nature. Pour moi, c'est autant spirituel que de choisir de s'alimenter consciemment et de se faire du bien et de se souvenir que se nourrir, c'est un acte d'amour envers soi-même. Pour moi, c'est autant important d'intégrer le chouchoutement du corps comme de passer un moment à contempler la nature, comme de passer un moment à se relier aux forces du vivant et à faire nos méditations. Pour moi, tout est important, tout est mouvement de vie et tout est vie avec un grand V. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je partage beaucoup de choses et je partage également des partages où j'ouvre des espaces sacrés de transmission de codes de lumière et des soins. Aujourd'hui, je n'aime plus les appeler des soins, comme je t'ai déjà dit, des transmissions, d'activation. Puisque ça fait également partie de mon quotidien et de quelque chose qui me met en joie. Donc il y a un peu de tout sur ma chaîne, du plus concret au plus abstrait, du plus matériel au plus immatériel, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et il est tant important d'intégrer dans notre amour et dans notre conscience la matière, notre corps, comme les parts plus immatérielles, plus éthérées de notre être, qui reste la plus grande partie de nous-mêmes. Elle est invisible et immatérielle, mais tout ça doit s'enraciner dans notre corps. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de mes élans créatifs, je ne parle pas que de spiritualité, mais j'ai envie également de te partager mon quotidien, comme j'ai également envie de te partager ce que je vois autour de moi. Souvent, ces vidéos sont moi dans une chambre, moi chez moi, mais je vois tellement de beauté au quotidien que j'ai aussi envie de temps en temps de te glisser le beau que je vois. Alors, ce sera des vidéos qui restent très simples, puisque je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement doué pour l'instant avec tout le montage et toute la partie technique, mais de temps en temps, je vais te faire des petits partages de ce que je vois dans la nature. Pour moi, les images sont toujours tellement loin du beau, mais néanmoins, si ça te permet de voyager un peu avec moi, eh ben, j'en serais extrêmement heureuse. C'est pour ça que, voilà, cette chaîne est représentante de ce que je suis, et moi, je suis un être qui partage tellement le multipotentiel, tous les chemins du possible, que c'est visible même dans mon contenu, il y a vraiment un petit peu de tout. J'espère que néanmoins que ces vidéos te font du bien, qu'elles t'inspirent, qu'elles sont source de bien-être pour toi, qu'elles t'apportent quelque chose. En tout cas, c'est avec cette intention d'amour qu'elles sont réalisées. Et je t'invite vraiment à laisser un j'aime si ces vidéos te font du bien, puisque c'est une façon de me soutenir. C'est une façon que ces vidéos également soient partagées au plus grand nombre. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne, puisqu'ainsi, tu continues à recevoir les vidéos. L'algorithme YouTube ne partage pas trop ce que je fais. Donc au moins, si tu es abonné et que tu as enclenché la petite cloche, tu es sûr de pouvoir regarder ces vidéos et de continuer à recevoir ces élans.
créatif et cet amour. Sache également qu'il y a une façon très simple également de pouvoir recevoir ce que je divulgue également à travers mes écrits, c'est en t'abonnant à la Love Letter, qui sont des mails que j'envoie régulièrement, et tu peux le faire sur mon site. Et sur mon site, il y a également un blog que j'ai appelé les chroniques d'une être stellaire sur la Terre, où j'aime beaucoup partager mes écrits parce que je suis quelqu'un qui aime énormément écrire, et souvent je le fais beaucoup moins dernièrement parce que j'ai l'impression que peu de personnes le lisent et que moi j'aspire à ce que mes écrits soient partagés. Donc n'hésite pas à les regarder. Et c'est sûr qu'il y a, pour moi, il y a une stimulation. Quand je sens que vous lisez, quand je sens que ça vous fait du bien, quand vous laissez un j'aime, quand vous vous abonnez, moi ça me donne envie de continuer. Et comme dit, on continue à créer ces cercles d'abondance et de prospérité. Et ça, ça me tient à cœur, mais c'est une façon, voilà, de me soutenir. Comme si tu as envie de soutenir mon travail, la meilleure façon, c'est de te procurer mon art, puisqu'il est là pour ça. Et ça, ça peut être fait également en allant sur ma boutique et en te faisant du bien, en commandant une transmission, puisque tu te fais du bien. Et en même temps, tu arroses mon art. C'est comme acheter un produit chez un artisan plutôt que dans un grand supermarché. Voilà, ça permet que nous puissions continuer à partager nos arts sacrés. Voilà, Balam, est-ce qu'il y avait autre chose dont j'avais envie de te parler pour aujourd'hui? Il y aurait tellement de choses que je pourrais te dire, mais je pense que je vais le laisser pour une prochaine vidéo. Notamment, comme dit, je vais te partager la prochaine destination dans laquelle je vais me rendre et te partager comment moi je suis arrivée aux Fidji, pourquoi je suis venue aux Fidji et comment j'ai été divinement guidée à venir ici. Voilà, belle âme, je vais te laisser avec quelques images du beau, de la beauté de Mama Gaïa. Savoure, savoure, et on se retrouve, toi et moi, très bientôt dans une prochaine vidéo ou alors en espace sacré en dehors de YouTube pour les cursus ou tout autre événement ensemble. Je t'embrasse fort, je t'envoie tout mon amour, un immense aloha et à très vite.